Vous mettez le boulot ? C'est assez surprenant parce que c'est la première fois qu'on remonte la maison en intégralité sur une période très courte et on est assez surpris de la rapidité avec laquelle ça va. On invente un petit peu nos méthodes au fur et à mesure parce que la première fois on avait monté la maison de façon expérimentale. Ce qui est étrange quand on monte la maison, c'est que chaque pièce est vraiment utile à la structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, telle qu'on la voit maintenant, c'est très instable, tout bouge, rien ne semble solide, c'est très flexible et la maison ne sera solide que quand tout sera monté. Chaque poteau va se renforcer avec la pièce suivante, une poutre va devenir rigide parce qu'elle va être tenue avec un élément du toit et aujourd'hui c'est très instable et d'ici quelques jours quand ce sera fini, la maison sera très solide et très tenue, très ferme.
Là, la pince est ici. Alors c'est fini, c'est bon, très bien, il faut votre pince. Vous montez chacun sur un escabeau. Allez-y, montez sur les escabeaux là. Monte. C'est toi qui montes d'abord. Attends. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pousse. Comme nous l'escomptions, c'est-à-dire relativement simple, la maison n'a plus de secret pour nous et elle se monte assez simplement. Nous avons bien sûr quelques petites questions qui sont liées au jeu d'adaptation d'une pièce à l'autre, mais globalement tout va très bien. Nous allons pouvoir commencer à poser les cloisonnements, façades, les baies et créer cet espace intérieur qui nous a tous séduits quand nous avons fini de réparer cette maison avec ses belles lumières.